Bonjour à tous, c'est Noob des Seuils. Je vais vous faire une petite vidéo FIFA sur une compétition en ligne aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons faire le premier tour et si ça se qualifie, très prochainement, enfin la semaine prochaine, il y aura le deuxième tour et ainsi de suite, enfin un tour par semaine, je pense. Peut-être deux tours dans la semaine, je verrai ça. Et avant de commencer, je vais juste vous parler rapidement de ma deuxième chaîne qui s'appelle Bitoku11, pour ceux qui la connaissent et ceux qui la regardent, parce que cette vidéo sera uploadée sur les deux chaînes. Dans le sens où j'ai un message à passer à tout le monde pour vis-à-vis de ces deux chaînes, c'est que ma chaîne Bitoku, je vais la mettre en stand-by pour le moment, pour des raisons pratiques. Donc toutes mes vidéos FIFA seront uploadées sur ma chaîne principale, donc tu auras le lien ma chaîne principale dans la description sur ma deuxième chaîne, hein, et donc tout va passer sur une seule et unique chaîne, à savoir la chaîne qui s'appelle Desoy. Et donc voilà, donc cette compétition en ligne, je l'ai déjà gagnée. Mais on va tenter de la regagner en direct avec vous. Je vais jouer avec cette équipe, qui on peut le dire est une très très grosse équipe, hein, gros budget et compagnie. Et je vais juste vous présenter ma deuxième équipe, celle avec laquelle je jouerai au prochain match en fait, parce que je fais un match. En fait, je change d'équipe à chaque match en gros. Ce qui me permet de jamais acheter de carte forme, parce que si on regarde les remplaçants, hop, c'est mon équipe espagnole. Donc du coup la forme de mes joueurs espagnols remonte, et si on regarde mes remplaçants de l'équipe espagnole, hop, c'est mon équipe anglaise, comme ça la forme de l'équipe anglaise remonte. Donc j'ai jamais besoin d'acheter de carte forme. D'ailleurs c'est une petite astuce que je vous conseille, parce que les cartes forme ça revient très très cher. Donc nous allons jouer avec cette équipe et on va espérer que ça se passe bien. Alors je vous cache pas que j'ai déjà enregistré un match avant, mais que l'HDPVR a planté à 3 reprises, donc ça vous fait 3 coupures de 30 secondes à chaque fois dans la vidéo. Donc au final ça me plaît pas. C'est lui qui est parti avant. Donc au final j'ai préféré mettre deux buts contre mon camp, alors je gagnais 1-0 pour relancer la compétition à 0. Bon, décidément je vais attendre quelques secondes avant de relancer, parce que je vais retomber sur le même à chaque fois. En profiter pour boire un coup. Voilà, ça fait du bien. Et c'est encore le même. Et sur ce FIFA là, enfin moi les latences, c'est vraiment un truc, je fais super attention, parce que un match de FIFA quand ça lag, c'est juste horrible. C'est juste horrible, horrible. Bah écoutez, je vous ouvrirai pas en attendant que ça change d'adversaire. On compte pas tout le temps sur le même. Allez, on va voir ce qu'on va trouver. On va trouver pas grand chose d'intéressant. Pas grand chose d'intéressant du tout. Non. Bon, bah écoutez, c'était un proc pas intéressant. Voilà. Moi qui avais dit qu'il fallait que je fasse des économies. C'est loupé, j'ouvre des packs juste pour que ça change de joueur quand même. Voilà. Bon. J'espère que ce jeune homme a trouvé un match et je ne vais pas retomber sur lui. Tac tac tac. Tac tac tac. Tac tac tac. Et allez, c'est parti, on croise les doigts pour pas tomber sur le même. Bah déjà on croise le doigt pour trouver un adversaire. Ce sera déjà un bon début. Alors autant trouver un adversaire en saison, ça va super vite, autant trouver un adversaire en coupe comme ça, c'est un peu plus long. Voilà, un adversaire avec une bonne latence, tu joues en blanc, je joue en jaune, c'est parfait. Oula, bon, bah, normalement je pense que, sans vouloir trop m'avancer, je pense que le premier tour je vais le passer sans trop de problèmes. Mais bon, j'ai dit que j'enregistrais que je gagne ou que je perde, donc je vais enregistrer quand même contre cette équipe. Et on va voir, ça va me permettre de développer peut-être du plus beau jeu. Après, faut pas croire, hein, je suis tombé sur des équipes de bronze, les mecs géraient parfaitement. Alors on me dit qu'il n'y a plus de rééquilibrage, je reste sceptique dans cette histoire de rééquilibrage, parce que des fois, on fait des trucs totalement abusés. Votre avis sur ce match, Franck? Bon, bref, on va essayer de faire quelque chose de bon. On devrait assister, je pense, à un beau duel entre deux équipes assez similaires. Et c'est monsieur Guilherme Santoso qui sera l'arbitre aujourd'hui. Comme ça, vous verrez peut-être des buts, c'est bien. Ouais, la belle passe. Oh oui, le bon ballon!
Elle stoppe net l'action. Il s'approche. C'est contré. I love Lorraine. Ah, il y a des gens qui aiment la Lorraine. D'accord. Attention, j'ai rien contre la Lorraine. D'ailleurs, je ne connais pas la Lorraine. Je suis jamais allé. Andrés Iniesta. Quand je dis ça, c'est plus la boutade. Xavi. Écoutez, il a l'air de bien défendre, ce jeune homme, quand même. Malgré ses joueurs plutôt faibles sur le papier, et puis si je commence à faire n'importe quoi comme ça, forcément... J'aime pas jouer les équipes bronze et les équipes argent, j'aime vraiment pas les jouer parce que... Et il se rapproche dangereusement souvent des je galère comme un rat mort. Vous avez bien joué le contre, c'était pas fini. Bon, sur papier, je suis d'accord avec vous qu'un rat, s'il est mort, il galère pas forcément. Ballon pour mais Cristiano souvent, ouais, je galère beaucoup, beaucoup entre les petits Xavi. Xavi essaie d'intervenir. Je suis ravi qu'on a position propre. Allez, un petit coup de pompe. Ah non, bah, je me suis complètement trompé sur la célébration. Donc, pas de coup de pompe. Hein. Donc 1-0. Bah écoutez, ouais, ce premier match, je sens que je vais gagner. Enfin, j'ai pas envie de trop m'avancer parce que ça peut me porter malheur. Mais... Donc sur le papier, j'ai connu plus inquiétant. Ça leur donne un bon ballon de contre. J'étais persuadé qu'il allait mettre en bas, il l'a jamais mis. Ouais, elle est bien partie cette frappe. Par contre, moi je la mets en bas. Comme dirait Psycho, il est seul en bas. Ouais, bonne hein. Sortie. Et son partenaire qui demande le ballon. Les 30 derniers mètres. Hop, hop, et non. Je vais lui mettre un petit piqué. Ah, il le rate, quel dommage. Et ça a loupé. Ah, il peut s'en vouloir parce que la passe était lumineuse. Ouais, bon. Bon, on va faire des pompes. On va faire des pompes. Ouais, c'est un peu dommage de mettre une équipe aussi faible. Mais bon, j'avais dit que si je me prenais une branlée, je plaudais quand même. Donc si je gagne facilement, je plaudrais quand même. Ce sera plus compliqué au prochain tour, c'est tout. Donc, c'est là, effectivement, ça... Ouais. Ouais, c'est ça m'embête. Ça m'embête. Je vais le plaudir quand même. J'avais dit que je le ferai. J'espère vraiment que le prochain tour sera plus compliqué. On va dire. Ah, bonne anticipation sur cette passe. L'appel de Falcao. Jesús Navas. J'essaie de pas trop marquer non plus parce que j'ai pas envie que le mec qui rage tout. Je vais ralentir un peu. Pourquoi je fasse des conneries comme ça non plus. Alors ça, l'arbitrage de FIFA 13, c'est juste une blague. Là je vois pas du tout le mec qui fait une faute. Hein. Xavi. Jesús Navas. Toc. Pas faire tac à chaque passe, hein, ça va être chiant pour vous. Il est sur la trajectoire. On va pouvoir jouer à la touche. Xavi. Oh, la bonne occasion. Ouais. Je sais même pas de tirer, j'ai pas envie de trop marquer de but, j'ai pas envie qu'il rage tout. Ah, la belle passe, ça chauffe. Oh, il se rapproche du but. Oh puis d'un autre côté si, il va falloir que j'aille marquer des buts parce que vous n'avez pas regardé un match, je vous la passe à 10 pendant un match. Et par contre je marquerai pas sur penalty, hein. je vais la mettre au-dessus. J'aime pas marquer sur penalty, j'aime pas les penalty, ça me saoule. Et bon et puis bon, je vais marquer parce que je pense que vous avez pas envie de voir un match où je joue la passe à 10. Donc je vais jouer et voilà. Tant pis. Après tout, il est capable de se présenter dans une compétition gold avec une équipe bronze. Pour moi qui lui ai demandé de le faire, il se débrouille. Le ballon qui est récupéré par Xavi. Je vais juste me permettre de tenter des trucs que je ne tente pas forcément en temps normal, je pense.
Oh, ça c'est une bonne balle dans la défense. Je tente beaucoup de choses et c'est aussi pour ça que je perds pas mal de matchs. Parce que les matchs, je les domine. Et Cristiano Ronaldo maintenant. Et je veux tenter des choses. Et souvent, bah, je me prends un but con. Parce que moi, je pense que ça passe pas. Et lui, voilà, il court. Enfin, il court très vite avec des joueurs. Parce qu'en ce moment, je vois que des équipes avec des Wellington devant. En ce moment, je vois que ça. Wellington, je crois que c'est le joueur que je vois le plus sur le live en ce moment. Les mecs, ils prennent Wellington et ils courent tout droit avec leurs joueurs. Ils courent très très vite. Avec Cristiano Ronaldo. Je trouve ça dommage. Pour bon, parler un peu de mon équipe, bah écoutez, moi, enfin, vous l'avez vu. Tout à l'heure, je vous l'ai fait montrer rapidement. Bah, tout le monde peut se tromper. Hein. Alors, bon, c'est une très grosse équipe. Hein. Quand je vais parler de déception, mais c'est pas vraiment des déceptions. Parce que c'est des joueurs qui font plaisir de toute façon à jouer avec. Mais je dirais, dans les joueurs qui sont un petit peu en dessous du lot, bon, il y a Jesús Navas, ça, c'est logique, mais encore qu'il est pas mauvais ce garçon. Di Maria, je suis pas grand fan non plus. Jesús Navas. Pas mauvais non plus. Par contre, Xavi, joueur que j'adore en vrai, et dans FIFA, je trouve quand même assez moyen. C'est dommage. Xavi, c'est ma grosse déception. Cette équipe. Après, je le garde parce que voilà, parce que je l'ai acheté. Il est bon quand même, hein, mais je dirais que par rapport au reste de l'équipe, je le trouve un petit peu en dessous. Et c'est dommage. Vous avez remarqué un but parce que je sens que vous allez vous endormir. C'est pas le but. À moins que vous la regardiez le soir dans votre lit juste avant de dormir, ça peut être pratique. Ou sinon. Peut-être une élongation. Sinon, c'est pas pratique du tout pour vous. Allez, 3-0, c'est un bon avantage avant de regagner le vestiaire. Première période, bien négociée. Encore un match à élimination directe. Ils tiennent vraiment toutes ses promesses. Ben oui, ils savent que pour le moment, ils tiennent leur qualification. Il était important pour eux de parvenir à la pause avec cette avance, à eux de la conserver. Et la bonne passe. Elle avait flairé à 15 km. Ah, voilà, passé quoi. Le centre dans la surface de réparation. Ah, ça ne passe pas. Alors ouais, je suis nettement moins à l'aise pour commenter sur FIFA que sur Battlefield. Juste parce que Battlefield, c'est un jeu que je maîtrise. Enfin, façon de parler, les yeux fermés. Pépé. FIFA, faut que je reste un peu concentré, surtout en défense, parce que j'ai beaucoup mal à défendre. Mais ça va venir avec le temps, c'est juste que les vidéos sur FIFA, j'en ai pas fait 36. Ouais, s'il voit l'appel de balle. Donc ça va venir avec le temps. Et, là, 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 et voilà, ça va faire. Ah, toujours spectaculaire, les tacles glissés. Sergio Ramos. Oh, passe déterminante, peut-être on n'est pas loin des buts. Ouais, il parvient à briser cette action. Il défend bien, hein. C'est dommage qu'il ait une équipe aussi faible parce que. Il défend vraiment bien ce jeune homme. Cristiano Ronaldo. Après, c'est sûr, je crois que je suis hors jeu. Non, je suis pas hors jeu, bien. J'ai centré en pensant que j'étais hors jeu sans m'appliquer, on va dire. C'est appuyé, mais le contrôle est bon. Oh oui, c'est bien vu. Attention. J'étais pas hors jeu du coup. Je pensais vraiment être hors jeu, mais je me suis pas appliqué du tout pour centrer. Et le gardien a eu chaud. Hein. C'est dommage, j'aurais peut-être pu faire quelque chose. Le taux de réussite habituellement d'un joueur aérien. Alors peut-être le tournant du match pour le gardien avec cet arrêt. Là, je pense que vous en pensez un peu. Là. Le trouage défensif, ça c'est. Ah, c'est même si je gagne beaucoup de matchs. Quand j'ai gagné la saison en D1 à plusieurs reprises, je gagne pas mal de matchs. Je me prends toujours beaucoup de buts. Mais bon, j'en marque toujours un plus, donc ça va. Mais... C'est vrai que défensivement, j'ai un peu de mal quand même. Ah, puis en plus, son gardien est pas bon. Ah, il est dans une mauvaise passe. Le gardien, là, ça continue. Bon, au moins, vous voyez les buts, c'est ce qu'il faut se dire. L'addition commence à être lourde. C'est ce qu'il faut dire. En plus, c'est bien, il quitte pas le mec. Alors, avantage. Elle s'est glissée. Elle s'est blessée. Et d'après le geste, ça ressemble à une élongation. Oh, ouais, le bon sens. La tête. Ah. La
Je suis désolé. Mais j'ai l'impression en France, je suis désolé. Bah, déjà, je suis désolé pour ce homme. Il n'a rien courageux de venir faire une compétition de gold avec une équipe comme ça. Je suis désolé pour vous parce que du coup, je suis pas certain que ce soit un match super intéressant à voir. Andrés Iniesta. J'espère que ça vous plaira quand même. J'ai une petite question à vous poser que j'aimerais savoir dans les commentaires. Si comme moi, pour les joueurs de FIFA bien sûr, si comme moi vous avez un côté prédilection, je m'explique. Quand je tire dans ce but, quand je dois tirer, on va dire à gauche du terrain, quand je dois tirer vers la gauche, je suis juste, je dirais 15 fois meilleur, voire 20 fois meilleur que quand je tirais de l'autre côté. Et je voulais savoir si vous aussi vous avez un côté de prédilection et si oui lequel. Xavi. Vous me dites donc de quel côté vous devez marquer tout simplement. Et parce que ça, ouais, ça m'intrigue. Je sais pas pourquoi j'ai ce côté qui fait que ça va mieux que l'autre. Je sais pas. Allez, ne pas gâcher cette occasion. Il a du soutien. C'était pareil pour vous. Ouais, cette attaque qui avorte finalement. Hop. Xavi. Hop. Hop. Andrés Iniesta. Hop. Ah, j'ai vraiment voulu la jouer collectif peut-être trop. Ouais, bien dosé ce ballon. Il s'enfonce. J'aime pas marquer des buts comme ça. Ouais, c'est un bon ballon. Déjà que je le fais pas en temps normal, donc je vais pas le faire contre une équipe comme celle-ci. Même quand je perds, je le fais pas. C'est con de ma part, je sais. C'est con, ça m'énerve tellement de me prendre des buts comme ça que j'évite vraiment de le faire. Après, je dis pas que ça m'est jamais arrivé. Vraiment, j'évite. Généralement, quand je le fais, c'est quand le mec il m'a mis que des buts comme ça et que je perds. Et vraiment, quand il fait que ça. Bon jaillissement sur cette passe. Je me lâche un peu moins. Non, je me retiens un peu moins. Peut-être. On va y arriver. Donc oui, donc je vais reprendre mes vidéos Battlefield, je vais reprendre mes armes Battlefield, je vais entamer le nouveau concept, je pense, sur Battlefield. Et ça va revenir assez actif. Parce que cette pause d'un mois m'a vraiment fait du bien, parce que vraiment Battlefield, je faisais une overdose. Et donc ce FIFA m'a fait beaucoup de bien. Oh là là. Oh oui, il est beau ce ballon. Le let's play sur Borderlands que je devais faire, bah écoutez, le problème c'est qu'on devait le faire à 3. Et qu'à chaque fois on n'arrive pas à se trouver les 3 en même temps. Donc au final je pense que je vais le faire à 2. Au moins à 2, ce sera peut-être pas toujours la même personne, mais au moins à 2. Ce sera plus facile pour se retrouver. Oh, il est bien donné ce ballon. Parce que bon. Si vous voulez un attaquant en BBVA qui n'est pas super accessif à la Messi, hein, je vous conseille vraiment Falcao. Vous pouvez le trouver pour 50 000 crédits. Alors, vous allez dire 50 000 crédits, c'est super cher. 50 000 crédits si vous n'ouvrez pas de pack et que le mec arrête de jouer. Ah non, il n'a pas arrêté. Donc 50 000 crédits si vous n'ouvrez pas de pack, parce que ouvrir des packs, moi je le fais maintenant parce que mes équipes sont complètes et que j'ai plus rien à acheter, mais c'est vraiment pas le bon plan pour le départ. Ouais, j'ai pas l'air marqué un but. On va attendre la fin du match tranquillement. Voilà. Et 50 000 ça va très très vite hein, au final. Hein. Si vous rage quittez jamais, que vous avez bien votre multiplicateur à fond. Ouais, c'est repris par Costinha. Ça va très vite. Hein. Donc, moi vraiment je vous le conseille, Falcao, il a une puissance de frappe énorme. De la tête, je vais pas dire qu'il prend tout, mais pratiquement. Ouais, belle talonnade. Un petit peu court. Vraiment, en BBVA pour moi c'est. Bon, à part peut-être Messi, surtout que là il y a la version boostée de Messi. Mais là c'est plus les mêmes tarifs du tout, hein, vraiment Falcao. Je pense qu'au-delà de la manière et de la forme, je vous le conseille, mais là vous avez vu, bon, même si c'est une équipe bronze, hein, donc, pas forcément compliqué, mais vous avez vu qu'il prend tout de la tête. Et... Merci d'avoir suivi ce match. Mais bon, ça aurait été une équipe or en face, EPL ou je sais rien, ou même une autre BBVA, une Bundesliga, il aurait pris de la tête pareil. Hein.
Il est vraiment vraiment impressionnant de la tête. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et bah, désolé pour ce match de piètre qualité, je dirais. Je pense que je vais monter une équipe bronze pour faire ce tournoi. J'avais pas vu qu'il était arrivé par la suite. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, bon appétit peut-être aussi. Bonne soirée, bonne nuit selon l'heure où vous regardez la vidéo. Et je vous dis à très très bientôt. Salut, salut!